C'est intéressant le Vim parce qu'en fait beaucoup disent oui mais c'est ça va nous prendre vachement de temps, ça va nous coûter super cher. Et en fait à attacher c'est pas si long que ça. Ça tient un moment et surtout on n'est pas obligé ni de l'enlever ni de ramasser tous les plastiques pour les sortir de la vigne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis, c'est terminé. Le boulot est terminé. C'est complètement biodégradable et ça n'étrangle pas la plante. Donc en fait, il y a quand même un avantage super important. Peut-être que c'est très légèrement plus long à mettre, non. Mais comme il n'y a pas à l'enlever... C'est dur à faire le lien là, moi j'y arrive. Oui. Mais les liens, on ne les enlève pas. Hein. Non, c'est-à-dire que vous ne les enlevez pas. Vous les faites tomber par terre, vous les laissez par terre. Oui, on le laisse. Mais c'est pas biodégradable. C'est inéluctable, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes bien obligé de les enlever, non? Ça pourrit pas? Ça mange pas le plastique Non mais je vous provoque. Parce que je le sais que vous les enlevez pas. Ça devrait être interdit. Alors au moins, moi, pour tout ce qui est agriculture biologique et biodynamique, je comprends pas que ce soit autorisé encore de mettre du plastique à l'attachage. Par rapport au plastique, il va falloir faire des trucs biodégradables. Mais bien sûr, c'est élémentaire. C'est pas biodégradable, ça c'est photodégradable. Oui, mais t'as combien d'années? C'est fragmentable en fait. C'est biofragmentable en fait ou photofragmentable, c'est-à-dire que c'est les UV vont le découper en tout petits morceaux, ce qui fait qu'en fait ça va faire une poudre que vous ne verrez plus. Mais elle sera quand même là. Il y en a des biodégradables. Il y en a en bois. Mais il y en a qui ressemble à du plastique là. Alors, en amidon de maïs. Mais il faut quand même se poser la question parce que le Vim, il a plein d'intérêts hein, autour de la vigne, tout ça. C'est pour ça que Marie-Pierre en a replanté. C'est pas que pour attacher. C'est intéressant pour accueillir des auxiliaires. C'est intéressant pour drainer les fossés, absorber l'eau. C'est intéressant pour abriter les oiseaux, éviter l'érosion. En fait, là, on a un outil extrêmement intéressant qui non seulement nous permet d'attacher la vigne, mais qui en plus joue un rôle primordial sur plein de choses au niveau environnemental. À mon avis, il est bien plus que temps que de rétablir l'utilisation du Vim sur l'attachage. Ah, t'as filmé, ça c'est génial parce que d'habitude... J'ai du mal à me faire entendre quand je dis ça. Ou donner du boulot aux gens qui font de l'osériculture. Parce qu'en fait, tous les gens qui font des paniers, ces petites parties-là, ils les utilisent pas. Et donc, ils pourraient tout à fait vous les mettre de côté et vous les vendre pour une bouchée de pain. Ah ouais. Il y a des filières. Et on pourrait remonter des filières. C'est-à-dire, ça, c'est pour moi lourd de sens. Remonter des filières dans ce genre de filières-là, c'est génial. Parce que faire travailler quelqu'un sur tout un territoire à fabriquer les vimes, ça fait de l'emploi qui est local, qui est intéressant, enfin qui a forte valeur ajoutée en plus, quoi, je trouve. Vraiment très intéressant. Alors celui-ci, je sais pas, on m'a demandé de tailler celui-ci. Alors. Donc là, on a un courson l'année dernière qui avait été laissé pour moi bien au bon endroit, hein, puisqu'en fait, on avait quelqu'un qui avait choisi un courson dans le flux de sève, il avait été laissé au bon endroit l'année dernière. Ça, c'est un contre-bourgeon qui est parti, donc je vais m'en servir effectivement pour tailler l'année prochaine parce que ça m'aurait arrangé d'avoir quelque chose ici, hein, c'est-à-dire que ça c'est le courson de l'année dernière, hein, si je ne m'abuse, et donc là on a eu la baguette qui a poussé mais on n'a pas eu le bois du bas, on le voit ici là, on a une ancienne pousse là, c'était ce qui était tout petit là, on a un bourgeon. Alors j'ai conservé le bourgeon ici, si je veux, je peux décider de faire sortir ce bourgeon au printemps prochain. Il faut juste que je sois suffisamment vigilant au printemps prochain, au moment des bourgeonnages, de laisser systématiquement, s'il manque, une pousse à cet endroit-là, sur la sortie de sève, à l'endroit où la sève arrive, pour faire le prolongement de mon bras l'année d'après, donc pour fabriquer un courson ici l'année d'après. J'ai un bourgeon ici. Donc pour moi, je suis à peu près sûr que ça sort ici l'année prochaine. C'est-à-dire qu'au moment des bourgeonnages, je vais avoir un pampre ici. Ça veut dire que celui-là qui est en amont, je ne vais pas le garder. Je vais le supprimer. Et je vais préférer parier sur celui-ci pour faire ma pousse l'année prochaine. Donc, sur celui qui est pampre. Je dis bien que c'est un choix politique parce que on peut tout à fait décider de garder le courson qu'on avait. Hein.
Alors voilà, là, j'ai supprimé la baguette, hein, et j'ai pas coupé à ras de la baguette ici. Je suis allé couper plus loin sur un diaphragme qu'il y avait un peu plus loin pour le noir. Bah, pour faire ce qu'on appelle un chicot de dessèchement, c'est-à-dire que le dessèchement, l'air qui va rentrer ici, je ne veux pas que ça abîme la circulation de sève qui va alimenter ma baguette. Ça c'est le bourgeon de l'année dernière qui a été coupé trop court. C'est le bourgeon de l'année dernière qui a été rasé là, ici. Ah oui, quand on nettoie le... Quand vous ébourgeonnez votre baguette... On le fait raser. Quand vous ébourgeonnez votre baguette, si vous faites ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites ça, là, vous abîmez votre baguette. Et donc, vous faites clairement ce qui s'est passé sur celui d'avant. Là, c'est pas le cas. Là, ça a été fait plus loin. Ce que ça risque de faire, c'est que si tu n'en as que un, ça va. Si tu en as trois sur la longueur, la fin de la baguette, ça va s'en ressentir. C'est pas très grave parce que ça va s'enlever. Là, vous voyez, celui-là, il n'a pas été fait trop court. Ça va, on voit que le flux de sève, il n'est pas vraiment impacté. Hein. Mais on va en trouver d'autres, hein, parce que ça a été fait à d'autres endroits. Celui-là, il est assez vide. On voit la mortalité qui est importante là. Hein. Ouais. Donc là, je ne vais pas m'amuser à laisser deux baguettes. Hein. Je vais en laisser qu'une. Je vais laisser que celle-ci. Pas de retour. Le retour, il est dessous là. Ouais, ouais. Vous voyez, je fais pas de plaie de taille rase. Hein. Je laisse les départs là. Donc, rappelez-vous la diapo que je vous ai passée ce matin. Les pampres, c'est quoi? Est-ce que ça coupe? Est-ce que ça sort par hasard? Est-ce que si on avait 50 fois ça là, on aurait 50 fois plus de pampres? Ou est-ce que c'est un chemin vers l'équilibre? C'est un chemin vers l'équilibre. Donc, du coup, c'est normal qu'elle pampre. Vous pouvez pas faire autrement que le fait qu'elle pampre. Vous allez vous retrouver, vous voyez ça, vous dites, mais attends, mais moi, ça va me doubler mon travail, et mon patron va me dire que c'est à moi de le faire, alors que ça me double mon travail, je ne vais jamais avoir le temps de le faire. Bon, ok, hein, c'est sûr qu'il faut que tout le monde soit conscient du truc. Hein. Mais, par contre, toutes les plaies qui ont été faites là, les grosses plaies, c'est ce genre de plaies là. Si je fais ça ici, là, je grève la circulation de sève de tout ce qu'il y a après. Et donc, du coup, c'est soit j'accepte d'avoir des pampres, soit j'accepte d'avoir 30% de manquant dans ma parcelle qui a 20 ans. Et si on sort la calculette, et beaucoup moins de raisins. Donc si on sort la calculette, c'est astronomique. Le coût du refus des pampres, c'est hyper, hyper cher. Ils peuvent vous embaucher. Hein. Ah, là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est pour ça que je fais ce choix-là. Et je comprends que ça vous choque parce qu'on vous a inculqué l'idée de le faire absolument, de raser, de faire super propre. Depuis des générations, on vous dit de faire ça. Depuis deux générations, on vous dit de faire ça pour essayer de lutter contre ce phénomène de pampre, qui en fait est absolument naturel et nécessaire. Comme on ne veut plus que les pieds meurent et qu'on ne veut plus que l'ESCA nous supprime des cèpes, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et une des solutions, c'est... C'est problématique de changer de politique. C'est de changer de politique, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu rabats ton masque sur le pied? Alors là, je l'ai pas encore fait. Je le fais manuellement, mais j'ai le choix. C'est-à-dire que ici, j'ai un manquant, donc je vais pas m'embêter. Je vais probablement le mettre ici. L'avantage que j'ai à faire ça, c'est que si j'avais un courson là, j'ai mes deux yeux du courson. Si je plie vers là, j'ai mes deux yeux du courson qui sont libres et qui vont monter droit. D'accord? Si je le plie par-dessus, il va falloir que je joue au moment du relevage à remettre mes yeux du courson bien dans l'axe. Parce que le cabernet, il a tendance à pousser dans la direction où les yeux vont. Hein? Regardez le courson, il y a des endroits, regardez, c'est horizontal. À chaque fois, ça part dans l'axe où il est poussé. Regardez, celui-là, il est horizontal. Hein? C'est un peu le problème avec le cabernet. C'est qu'on est obligé d'avoir un palissage qui est hyper adapté si on veut faire une taille fluide et cohérente. Hein. Là, par exemple, le fil ici est beaucoup trop bas pour plier les baguettes. C'est-à-dire qu'ici, on va travailler en arcure systématiquement. Alors que le cabernet, c'est pas génial en arcure. Normalement, le fil, il devrait se retrouver, si j'avais des bois tous à cette hauteur, le fil devrait se retrouver à cette hauteur-là. On devrait avoir un fil ici qui est à cette hauteur-là, le fil de pliage devrait être à cette hauteur. Le problème, c'est que quand on refuse l'allongement, systématiquement, ce qui se passe, c'est qu'on monte. Hein?
on a tendance toujours à choisir quelque chose qui va ici parce qu'on a tendance à penser qu'on va moins être proche du prochain pied après. On est quand même obligé. Non, attendez, il y a quand même une règle qui dit qu'on doit avoir 1m80, 1m10 de feuillage, je crois. Oui, mais si tu avais allongé ça là comme ça, tu aurais toujours ton 1m10 de feuillage. Il y en a qui sont à 90, tout va se croiser. Et les cas derniers, quand ils se croisent, je ne dis pas le mot trépied. C'est justement ça que. C'est juste, ça, c'est la suite hein, de la formation. C'est-à-dire que je ne vais pas vous laisser dans la panade en vous disant continuez à allonger et croisez les baguettes. Croisez les baguettes, vous ne faites pas chier. Beaucoup de vignes qui ont 50 tailles chez moi, c'est encore 1m20. Non, mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'au début, quand c'est 1m20, ben, c'est-à-dire que tu ne remplis pas terrain. Donc la solution, elle n'est pas trouvée non plus. Hein, c'est-à-dire qu'on est, toujours embêté. Par contre, vous voyez, quand j'ai commencé à faire ça, là, j'ai commencé à boucher ma fenêtre. Là. C'est-à-dire que là, ici, j'ai jamais de raisin, et là, j'en mets. Hein, donc ça, c'est déjà une première des solutions, peut-être. Hein, c'est-à-dire que si j'allonge jusqu'ici, quand je vais plier ma baguette, j'aurai rien là. D'accord ? Ça, c'est une première des solutions. Après, ça peut être, je plie, si j'ai mon cèpe qui est là, je peux très bien enlever un bourgeon ici pour que mon courson puisse passer. Si j'ai un guyot, par exemple, au lieu d'avoir un guyot double, je fais un guyot mixte, je ne fais plus qu'une baguette que j'allonge un peu, et donc dans ce cas-là, je regagne un peu de place. Mais je ne gagne pas de la place. J'ai toujours le même nombre de cèpes et la même place sur le rang. Depuis que j'ai planté ma vigne, j'ai la même place sur le rang. Donc la question, c'est comment je fais en sorte d'avoir un sarment tous les 20 cm pour avoir mes raisins bien répartis sur le rang. C'est ça, hein, l'idée du palissage. Avec une bonne aération. Donc, que ça. Ah oui, complet. Alors, que vous mettez d'un côté ou de l'autre, c'est soit le retour, oui, qui va y être, soit le côté ici. Voilà. C'est pour ça que si je continue à accepter un peu. C'est pour ça que si je continue à allonger un petit peu là, je vais me retrouver au bout d'un moment avec la possibilité de faire ça. D'accord ? Là, pour l'instant, je ne l'ai peut-être pas. Là, je vais peut-être continuer à le faire ce côté-là. Mais je vais continuer à le faire ce côté-là. J'ai bien la place d'une baguette plus d'un côté ici, là. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai pas de nécessité sur ce cèpe-là de me dire j'ai trop allongé encore. Hein? Donc, quand je serai ici, on se reposera la question. Et dans ce cas-là, si je suis ici, je pourrai plier à l'intérieur. Donc, ça signifie que j'ai une porte de sortie quand même. Et au bout d'un moment, si ce pied-là et ce pied-là, ils se touchent, je peux les croiser. Et dans ce cas-là, celui-là a fait sa baguette ici, celui-là fait sa baguette ici. Là, la question, c'est de se dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut que ce soit homogène dans la parcelle. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se retrouve à faire comme ça, parce que sinon, s'il y en a qui se croisent et d'autres qui ne se croisent pas, ça ne fonctionne pas cette affaire. Oui, oui, moi, le but, c'est quantité-qualité, là. Hein. Encore une fois, depuis le début, je remets rien en question autre que améliorer votre production et la rentabilité de vos productions, qualité et quantité. Et donc, quand je vous dis retirer un fil ici, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est inimaginable ou inimaginé simplement peut-être, mais pourtant les plantes sont vivantes et tous les ans vous avez une plante par-dessus la plante de l'année dernière, donc tous les ans ça s'allonge. Hein. Donc si ça s'allonge tous les ans, mécaniquement au bout d'un moment, on se retrouve avec des cèpes qui se retrouvent au niveau du fil. Et s'ils sont au niveau du fil, ben on fait que des arcures. Et les arcures ils font quoi? Alors c'est systématique, hein. Ça va bien parce que ça a gelé là, mais les arcures ça vous fait du bois au début, rien au milieu de la baguette et tout au fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Entassement de végétation, vide. Entassement de végétation, vide. Entassement de végétation, vide. Pourquoi Jurançon, ils font des arcures à la tronche? Mais l'arcure, ça peut être une stratégie pour faire sortir davantage le bourgeon 3, 4, 5. Hein, parce qu'on sait que les meilleurs bourgeons au niveau du fruit, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Donc quand on fait ça, on les force à sortir. Mais de faire ça, les gens qui le font correctement enlèvent ces bourgeons et font un courson pour faire la cure l'année prochaine. Attention, il y a moyen de bien le faire. Mais il faut toujours avoir cet objectif-là, de se dire que on veut un sarment tous les 20 cm partout et le plus écarté possible les uns des autres pour avoir quelque chose d'impeccable. Il va falloir donc, au lieu d'adapter la vigne au palissage, en faisant des grosses plaies pour redescendre quand on est sur des situations comme ça, si j'ai un sarment là, ben je vais avoir envie de faire une coupe ici pour redescendre par rapport au fil. Alors qu'en fait, globalement, il suffirait, au lieu de rabaisser toutes les plantes, il suffirait de retirer un fil 15 plus haut pour régler tout le problème sans mutiler personne. La plante, elle est vivante. Le palissage, lui, il est au service de la plante. Il faut vraiment penser à ça. C'est-à-dire que là, peut-être que vos piquets sont courts.
vous diminuez la surface foliaire. Hein ? Pourquoi a-t-on décidé d'augmenter la surface foliaire il y a 30 ans là ? C'est pour le raisin. Pour la maturité. Pour remonter le taux de sucre. Pour augmenter le taux de sucre principalement. Parce qu'en fait on chaptalisait beaucoup. Donc c'était pour augmenter le taux de sucre. Et donc le taux de sucre, quand il se transforme en alcool, on a des degrés. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a assez de degrés ? Plutôt trop de degrés. Pas en licorhume. Souvent trop de degrés. Pas en licorhume, c'est un autre problème en rouge, là. Ouais. Oui. En rouge, souvent trop. Et donc des fois même on a du mal à rester en dessous de 16. Enfin ça, j'en connais. Hein. Il n'y a pas que le feuillage, il y a le temps qui permet aussi d'avoir des degrés. Oui, mais du coup, c'est feuillage versus temps. Feuillage multiplié par temps. Donc si on va vers cette idée de réchauffement climatique là, ou si on va vers cette idée où on a des étés hyper chauds avec moins d'eau, on a tendance à aller vers davantage de sucre dans la plante quoi. Et ça c'est dangereux. Donc en fait moi je crois que, bon, évidemment qu'il faut conserver la hauteur de feuillage, mais je pense que 5 cm ou 10 cm là ici, ça va pas vous faire perdre grand chose. Hein. Parce que, regardez bien, que je la mette comme ça, ou que je la mette comme ça, est-ce que vous voyez descendre vos bourgeons ou monter vos bourgeons ? Ces bourgeons-là, là, ils ne bougent pas. Hein. D'accord ? Donc vous avez retiré un fil, vous n'avez pas perdu en hauteur de feuillage. Et puis, vous pouvez très bien, il existe des systèmes qui viennent se clamper ici avec le fil que vous allez mettre un peu plus haut. Ça existe. Il y en a des portes de sortie sur le palissage. Oh, je me fais pas de soucis. Hein. Sincèrement, vous avez plein de portes de sortie sur le palissage.